Salut mes petits nidorans, c'est Docteur Darky, j'espère que vous allez bien. Ça vous dit on continue notre aventure en random de flock. Alors, on va déjà regarder ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois j'ai fait une petite session XP assez rapide en accéléré pour ceux qui ne voulaient pas la regarder justement. Pour ceux qui voulaient la regarder au moins, ça allait plus vite que le temps que j'ai passé dessus. Alors, on avait monté nos Pokémon au niveau 6 et maintenant on va pouvoir avancer sur le reste de l'aventure, donc sur la route 102. Si tu as un Pokémon avec toi, alors que tu es officiellement un dresseur de Pokémon, tu ne peux pas refuser mon défi. Oui, oui, vas-y, viens te battre. Alors, un combat est lancé par gamin Calvin. Hein ? Wouah, le Charmina ! Wouah, ça va faire mal par contre. On va voir. On va faire charge, détection. Oui, vas-y, continue. Patience. C'est pas du tout le machin casse-couille, je veux dire. Oh oh. Wouah, ça c'est con ça. Aïe. Oh putain. Qui c'est qui a le plus de vie? C'est toi, Adrien. Adrien, tu dois pas mourir. D'accord? Tu fais grimace. Assez loin. Non, on va switcher. Et on va envoyer Morgane, parce que je sais que Morgane elle attaque Crozio. Si je me trompe pas. Il me semble bien que c'est elle qui attaque Crozio. Ou Mimikeu. C'est une des deux. Voilà, Mimikeu. Ce qui va nous permettre de baisser la défense de ce Charmina. Parce qu'il a quand même patience. Et patience peut faire vachement mal. Donc il faut qu'on arrive à le battre avant qu'il nous envoie la sauce. Donc on va spammer les Mimikyu, on va en faire 3. Voilà. On va faire un dernier Mimikyu. Parce que bon. Voilà, ennemi se protège, bon si tu veux. Et là on va faire charge pour voir comment on peut... Le one-shot avec un coup critique, ça c'est bon. Ça c'est fait. Voilà. Et puis ça va rapporter des tonnes d'XP. Adrien passe au niveau 7 et Morgane à presque niveau 7. J'ai perdu, j'aurais dû davantage entraîner mon Pokémon. On va les soigner parce que... Quoique... Ouais si, on va quand même aller se soigner. Je préfère mieux vaut prévenir que guérir et se retaper un fail comme la dernière fois, c'est bon. On va pas se retaper des gros fails parce qu'on n'a pas soigné Adrien. Alors, hop, on va aller se soigner. Alors je voulais vous dire aussi, toutes les personnes qui auront leur Pokémon dans cette aventure, en fait, je leur ferai le Pokémon en stratégique sur Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha. Ruby Omega, Saphir Alpha, X ou Y, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore Ruby Omega ou Saphir Alpha. Et je vous le ferai stratégique et je vous l'offrirai en plus, voilà. Alors, nos regards se sont croisés, bats-toi contre mes Pokémon insectes. Combien on parie que t'as pas de Pokémon insectes? C'est random. Je suis quasi certain que t'en as pas. Vous n'avez pas les scouts. Grand bulle, shiny. Bon, enfin, les shiny ont un bon taux d'apparition sur cette forme. Ouais, ça peut être fait. Les griffes, montre-nous les dégâts que tu fais, Riser. Strictement rien. Tu ne fais strictement aucun dégât. Alors, on va spammer pour voir un peu les autres attaques qu'il a, parce que je sais que t'as quand même t'encaisse bien, Riser. De toute façon, tout ce qu'il peut avoir d'autre, c'est Char. Ouh, le coup critique. Bon, il baisse notre vitesse, ça sert plus vraiment à grand chose, on est déjà plus lent que lui. Je dis ça, mais c'est... Ah, voilà. Si vous êtes au même passage, je peux faire attention. Sur le coup. Bon, bah, griffe. Voilà, encore. Allez, Riser. Allez, va te faire le grand bulle tout seul. Comme un grand. Montre-nous la puissance du Topiqueur. Hein, y a pas que Diandra qui a le droit de la connaître. Bon, mais... Alors oui, donc, pour les strats, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les faire.
Je vais essayer de vous faire tous les Pokémon en stratégique. Pour le moment, je suis sur le... un Arcanin pour Diandra, mais là, dès que j'ai fini, bah, de toute façon, dès que je lui donne, je vais commencer ton trio Pickler, Riser. Donc, ce sera par toi que ça commencera. On va faire dans l'ordre d'apparition, en fait, dans l'ordre de récupération des Pokémon. Tarsal Shiny, deux Shiny dans la même battle. C'est assez rare pour le noter. Mais en même temps, voilà, le taux d'apparition de Shiny est assez élevé. Alors, on va switcher. On va envoyer Julien. Parce que, voilà, faut bien les faire monter un petit peu. Régis, hein. T'as pas autre chose, Tarsal, s'il te plaît? J'ai pas une attaque charge. C'est que de baisser l'attaque, t'as que ça à faire. Bon, c'est pas grave, coup critique. Au moins, c'est fait. Alors j'ai beaucoup fait de coups critiques, je trouve, pendant ce combat. Vous avez battu le Scout Omar. Oh, je suis hors d'état de combattre. Docteur Darkion par 64 poké. Alors, on va pas les soigner, on a strictement pris aucun dégât. Par contre, on va mettre Riser, on va mettre Morgane à la place de Riser. Qui va être assez utile. On va monter... Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Je ne suis pas très grand, alors je m'enfonce dans les hauteurs. L'œil de chaton de mes narines. Ah, tu... Ouais, d'accord. Mais écoute, va pas dans les hauteurs, hein. Tu viens juste de devenir dresseur, on est tous les deux des débutants. Non, moi j'ai des années d'expérience par rapport à toi. Et ouais, mon gars. J'en ai des versions que j'ai passées. Bon, mais... Lipouti. Ah, c'est vrai, tu fais très très sérieux avec ton Lipouti. Tu fais très débutant. Enfin... Je dis ça avec mon skitty. Oh, il fait quand même... Oh mais non, mais c'est un coup critique. Mais voilà, c'est ce que je me disais. Lipouti fait pas aussi mal quand même. Quand même. Faut pas exagérer non plus. Hein. Et voilà, Morgane, elle s'est fait un petit Lipouti toute seule. C'est bien, Morgane. Tu sais battre les petits Pokémon. C'est bien. Attraction. Ça m'étonne pas, ça, tiens. Oui, on va changer et on va envoyer Julien. Faut bien qu'il fasse quelque chose quand même, Julien. Alors, face à un petit mélofeu, ouais, ça devrait passer. Il ne peut pas y avoir trop de soucis. Moi qui ai déjà métronome et qui nous sortait une déflagration ou une connerie du genre. Et Crafas. Ouais, bon bah. Ah, joli sourire. Putain, mais Julien tombe pas amoureux d'un mélofeu, quoi. T'es pas désespéré à ce point? Si. Tu veux pas attaquer? Brave, hein, je vais spammer. Hein. Tu vas l'attaquer, moi, je te le dis. Je te le dis. C'est toi qui vas le finir, ce Mélofée. C'est toi. Je veux que tu prennes de l'XP. La botte baissée, ton attaque, tu y arriveras. Moi qui te le dis. Tu y vas. Allez, allez, Julien. Allez, Julien. Je vous jure, s'il n'y arrive pas, je hurle. Bon, on va accélérer un peu, parce que avec la chance que j'ai, il va pas attaquer. Ah! Et il finit avec un coup critique encore une fois. Bah décidément, Julien, c'est le roi des coups critiques. Je voulais me mesurer à toi parce que je pensais pouvoir te battre. Bah ouais, mais raté, hein. Comme je t'ai dit, j'ai de l'XP, moi. Bon, on va prendre les quelques baies qu'il y a ici, deux baies au rang, oui. Donc ça nous fait deux petites baies au rang, ce qui peut être pratique. Et deux BP chat, oui. Oui, pourquoi pas. Les baies au rang, ça reste quand même une demi-potion. Alors t'as deux baies au rang, t'as une potion, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Alors on va avancer. On va regarder ce qu'on a dans notre équipe. On a Morgane. Alors ouais, faut entraîner un peu Julien. On va entraîner Julien. Hello gamine, qu'est-ce que tu me proposes? Je vais continuer à gagner pour devenir le meilleur dresseur. Fais-moi avancer dans ma carrière. Ouais, je vais te faire avancer dans ta carrière, tu vas voir. Je vais t'apprendre qu'il faut que tu retournes t'entraîner. Pour un bon petit moment. Porygon. Oui, pourquoi pas. Moi, je t'envoie Julien. Mon petit paras. Voilà. Voilà. Alors, griffe. De toute façon, ça va, on lui fait assez mal. Adaptation. Oui, vas-y, continue. Si tu peux, si tu veux. Je vais spammer les griffes. Alors, combien tu nous fais avec une... Ça va. Là, même s'il nous fait un coup critique, on tient. Mais on attaque avant. On a la speed dial. Oh, Julien, tu fais du boulot, mais d'une force. 111 points d'XP. Ça, c'est bon, ça. Parasport. Alors, ça va être très utile pour un round. Pour Nuzlocke. Parce que ça nous permet de capturer des Pokémon.
on va envoyer Raizer. J'ai pas envie de perdre un Pokémon bêtement. Alors, un sécateur, oui. Vas-y, envoie-le ton insécateur. Je te fais griffe. Je regarde, j'admire les dégâts que je te fais. Coup critique, en fait. Voilà quoi. Gros dieu. Ça, c'est pas bon signe. On va refaire une griffe. Parce que je pense qu'on tient une attaque, quel que soit. Gros yeux, deuxième gros yeux, on la tient pas. On tient plus, on envoie. On va envoyer Adrien, qui est notre gros bourrin. Parce que comme vous pouvez le voir, il fait mal quand même. Hein, quand il tape, voilà, vive attaque, on a bien fait de changer. Vive attaque, oui, vas-y, reste sur vive attaque si tu veux, moi je te finis. Voilà. Adrien fait mal. 79, donc Raizer passe au niveau 8. Et pas Adrien. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est moi qui contribue à faire avancer ta carrière. Bah oui, je te l'ai dit. Faut écouter, bon Dieu. Faut écouter. Bon. Alors, on va mettre Raizer vers Adrien. Alors, je pense que pour le format, je resterai sur un truc de moins de 20 minutes. Alors, désolé pour les bruits de fond, c'est mon frère, ma petite soeur qui se battent. Mais voilà. Donc, Docteur Dark, il trouve une potion, ce qui va être très 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 pratique. Et on va aller dans la deuxième ville. On va commencer par aller se soigner. Clémentiville, qui est la ville justement de l'arène. Où notre père a une arène en fait. Une arène de type normal. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. C'est peut-être. Il me semble que c'est la seule arène de type normal que l'on peut rencontrer. Je réfléchis parce que je peux dire une connerie. J'essaye de réfléchir. Oui, il me semble bien. À vérifier, je vais regarder, je vous le dis. Tiens, mais c'est toi, Docteur Darky. Alors, le déménagement est fini? Je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même. Oh, je vois, tu es avec tes Pokémon. Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur, Docteur Darky. C'est une très bonne nouvelle. J'attendais ça avec impatience. Oh, j'aimerais avoir un Pokémon, s'il vous plaît. Hein? Oh, mais oui, tu es timide, n'est-ce pas? Je vais dans ma famille à Vergazon. Comme je savais que j'allais être seul, je voulais attraper un Pokémon en route, mais je n'ai pas réussi et je ne sais pas comment faire. Je vois. Docteur Darky, tu as entendu? Va avec Timmy et assure-toi qu'il attrape un Pokémon sans risque. Tiens Timmy, je te prête mon Pokémon. Timmy reçoit un Zigzaton. Waouh! Oh waouh! Un Pokémon! Je veux aussi te donner une Pokéball. Allez, file! Timmy reçoit une Pokéball. Waouh! Docteur Darky, tu veux bien venir avec moi, vraiment? Oui, bah oui, on n'a pas bien le choix, de toute façon. On est obligé de passer par ça. Et tu mets 15 ans à choisir ce que tu veux faire parce que tu sais pas faire. Allez, vas-y, va choisir. Allez. Docteur Darky, les Pokémon se cachent dans les hautes herbes, comme celle-là, pas vrai? Observe-moi et regarde si j'arrive à en attraper un correctement. Et bien entendu, dans le jeu, il tombe sur le Pokémon le plus rare de la zone. Enfin, non, c'est pas random, hein, mais Tarzan. Alors, Tarzan sauvage apparaît. Donc il envoie son petit le Zigzaton de mon Popra. Donc c'est un Tarzan calque. Oui, enfin. Ça va pas changer grand chose de toute façon. Enfin bon. Ouais. C'est la petite partie un peu chiante. Mais bon, faut bien y passer. Allez, ça suffit, Zigzaton. Bien, rappelle. Il faut lancer une Pokéball, non? Je ferai de mon mieux. Allez, envoie ta Pokéball. Allez. Donc voilà. Est-ce qu'il y a de plus intéressant? Alors, je suis en train de vérifier justement s'il y a des arènes de type normal. Et alors les arènes de type normal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'arène de Doublonville dans Johto, c'est vrai, donc il y a en tout et pour tout, si je me trompe pas, que deux arènes, c'est vrai, voilà. Ah non, trois arènes. Quatre, oh, putain. Je pensais pas tant. Je pensais vraiment pas tant d'arènes que ça. Il y a quatre arènes, il y a une arène dans Noir 2 et Blanc 2, c'est Cheren, la première arène, Aloé dans Noir et Blanc, Blanche dans Or, Argent, Earth Gold, Soul Silver, et Norman, ici à Owen.
D'accord, donc en fait je pensais pas qu'il y avait tant d'arènes de type normal. Un type qui est quand même sous-estimé, je trouve. Parce que les Pokémon de type normal, en vrai, c'est vraiment costaud. Moi, j'adore les jouer. Docteur Darkin, merci de m'avoir accompagné. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon Pokémon. Je promets de bien m'en occuper. Oh, maman m'attend. J'y vais. A plus, Docteur Darkin. Bon, maintenant, Docteur Darkin, si tu veux devenir un bon dresseur, voici mon conseil. Va à Merouville. C'est la ville qui se trouve un peu plus loin. Là, il te faudra battre le champion d'arène Roxane. Ensuite, rentre-toi dans les autres arènes et bats les champions. Tu dois obtenir leur badge, compris ? Bien sûr, je suis aussi un champion. Un jour, on s'affrontera, Docteur Darkin. Mais avant, il va falloir que tu améliores ton niveau. Dis-le tout de suite qu'on est une merde, mon dieu. Enfin, je dis rien, j'ai pas envie d'affronter ton Monaf limite. Alors, il y a ce Gus qui vient nous parler. Excuse-moi, laisse-moi deviner, vu les vêtements que tu portes, tu serais pas un dresseur Pokémon par hasard? Peut-être pas, tes vêtements ne sont pas si sales. Tu es soit un dresseur débutant, soit un gamin ordinaire. Je parcours le monde à la recherche de dresseurs de talent. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Bah, bon, j'y sais pas encore. Voilà, alors, on va faire une capture. Ici. Alors, on va voir qui c'est qu'on a en premier. On va mettre. Bah, c'est parfait. C'est Julien qui est en premier. C'est ce que je voulais. C'est parti. Et notre Pokémon de cette zone sera, s'il vous plaît, pas un légendaire. Et ce sera un Goelis. Pourquoi un Goelis? C'est quoi ce random pourri? Enfin bon. Bah, parasport. On va faire parasport histoire de faciliter la capture. Comment on va l'appeler? Alors c'est un garçon. Faudrait un nom d'abonné. Alors des abonnés garçons. On va l'appeler Hydra. Tiens voilà, Hydra. Alors Hydra qui est le cousin de Riser. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça le cousin. C'est un abonné. Donc on va t'appeler Hydra. Hydra, tu vas être un Goelis. Voilà, et puis pour le moment on va te garder dans la team parce qu'un type. Je suis con, mais je suis débile de chez débile. Bon bah en fait Hydra tu seras pas un Goelis. En fait voilà, j'ai encore fait un fail là, en vous parlant. Voilà. Et voilà. Bon, bah voilà, je voulais vous laisser sur une belle capture, histoire que ça se finisse bien et tout. Bon bah, ce sera pas fini bien du coup. Et bah c'était Docteur Darkin, j'espère que la vidéo malgré tout vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, ce qui serait super sympa. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de l'aventure, et peut-être voir vous voir personnifié dans le jeu. Et partage la vidéo avec tes amis si tu veux leur présenter mon travail. Bye tout le monde, amusez-vous bien.